Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Comment ça va, Marie-Ève? Ça va super bien, puis toi, Nathalie? Ça va super bien aussi. On est vraiment content de vous voir aujourd'hui. On va aller à la découverte de monde extraterrestre. Donc, on est vos animatrices. On est des astrophysiciennes. Marie-Ève, veux-tu dire quelques mots sur toi? Bien sûr, bien sûr. Alors moi, oui, comme Nathalie disait, je suis astrophysicienne. On utilise aussi le mot astronome. Ça veut dire en gros là, que je m'intéresse à tout ce qu'il y a dans l'espace. Donc, on est des scientifiques qui étudient l'espace. Donc, ben voilà, je m'intéresse beaucoup à toutes ces choses comme les galaxies, les planètes. Mais moi, mes préférés, c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, on en reparle. Et moi, c'est Nathalie Ouellet, je suis aussi astrophysicienne. Moi, ce que j'étudie, c'est plus les galaxies, donc plus gros, plus d'étoiles, plus de planètes. Mais je travaille avec plein d'autres astrophysiciens, comme Marie-Ève, qui aime beaucoup les exoplanètes. Donc, moi aussi, j'apprends à les connaître. Et on a une troisième astrophysicienne cachée dans la régie qui peut nous dire un petit coucou, Frédéric. Coucou, bonjour tout le monde. Moi, je vais être cachée derrière aujourd'hui, mais je vais prendre vos questions. Et moi aussi, je suis astrophysicienne. Une des choses que j'aime le plus, bien, c'est entendre, répondre à vos questions. Donc, pendant toute la présentation, je vous encourage, peut-être par classe, à écrire une question dans le clavardage. Et à la fin, on va y revenir. Moi, je les prends en note et on va y répondre à la fin. Sinon, je vais être C'est cachée derrière. parfait. À plus tard. Merci. Merci, à plus tard, Frédéric. Donc, nous, on travaille toutes à l'Institut de recherche sur les exoplanètes ou l'IREX à l'Université de Montréal avec plein d'autres personnes. On explore des nouveaux mondes et on cherche de la vie extraterrestre aussi. Donc, on est vraiment excités aujourd'hui. On va aller à la découverte justement de ces mondes extraterrestres ensemble. Donc, on a le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre du 24 heures de science pour tous. Cette année, le thème, c'est l'environnement, c'est dans ma nature. Donc, on va justement regarder l'environnement de ces exoplanètes. On va les découvrir, mais on va se demander des questions comme est-ce qu'on peut s'y rendre? Est-ce qu'on pourrait y vivre même si on pouvait s'y rendre? Puis ensuite, on va répondre à tes questions. Donc, on t'encourage de d'écrire tes questions dans le clavardage. Frédéric va peut-être y répondre, mais elle va aussi garder certaines des questions en banque pour y répondre à la fin. Puis, on a aussi reçu des belles questions lorsque vos enseignantes vous sont inscrits à l'événement. Donc, on va commencer avec la Terre. Oui, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, nous vivons sur cette magnifique planète, la Terre. On a tous présentement les deux pieds dessus, en tout cas j'espère. Donc la Terre, c'est une grosse boule de roche entourée là, d'une toute petite couche d'eau, hein. Ça a l'air d'une planète d'eau, mais en réalité, là, il n'y a pas tant d'eau que ça. Et une toute petite aussi couche d'air qui est extrêmement cruciale à la vie telle qu'on la connaît. Donc, notre planète, elle tourne autour d'une étoile. Vous la connaissez bien. Peut-être il y en a pour qui c'est nouveau là, d'entendre dire que le Soleil, c'est une étoile. Et oui, le Soleil, c'est une étoile. C'est notre étoile. C'est pour ça qu'elle nous apparaît différemment des autres étoiles. Et dans le fond, autour du Soleil, eh bien, il y a d'autres planètes. Et tout cet ensemble, les planètes qui tournent autour du Soleil et bien d'autres choses aussi, hein. Donc, vous en connaissez peut-être des choses dans notre système solaire. Ben, c'est ça, justement. Ça constitue le système solaire. Donc, ça, c'est un nom à retenir. Le Soleil et toutes les planètes autour, c'est notre système solaire. C'est probablement quelque chose que tu savais déjà. Puis sinon, ben, c'est vraiment quelque chose de cool à savoir. C'est un peu comme notre adresse cosmique. Donc, Terre dans le système solaire. Donc, Donc, c'est là où on Nathalie, va à toi, oui. commencer. On va commencer notre exploration dans les planètes du système solaire, justement. La première qu'on va explorer, c'est la planète Vénus. C'est la deuxième planète la plus proche du Soleil. Elle se retrouve en moyenne à 160 millions de kilomètres de la Terre. Donc, même si c'est la première planète qu'on explore, c'est celle qui est la plus proche de la Terre qu'on va explorer aujourd'hui, c'est quand même très loin. Ça prendrait un bon petit bout de temps s'y rendre, surtout en voiture ou en autobus. Donc, on voit ici, c'est une planète qui ressemble pas beaucoup à la Terre, mais elle a pas mal la même taille. On voit plein de nuages, en fait. C'est dur de voir la surface de Vénus. Et on a déjà essayé d'envoyer des robots, mais habituellement, après quelques heures, ils meurent. Pourquoi? Parce que la surface de Vénus, il fait très, très, très chaud. Il fait aussi très difficile à vivre pour des robots et des humains. Sur la surface de Vénus, on peut voir, il fait
450 degrés Celsius. En fait, c'est la planète la plus chaude du système solaire en entier. Et il pleut, mais c'est pas de la pluie rafraîchissante, malheureusement. C'est de la pluie d'acide sulfurique. Donc, certainement, cette première destination-là, on voit déjà, c'est pas vraiment un beau lieu pour aller en vacances. Mais on pense qu'il y aurait peut-être de la vie sur Vénus. Depuis quelques années, on voit des signaux qui semblent intéressants, mais c'est dans les nuages de Vénus, quand même assez haut, où il fait plus froid. Il fait environ 30 degrés Celsius, un peu comme il a fait à Montréal dans la dernière semaine. Donc, c'est pas trop pire que ça, mais il faut envoyer plus de satellites et de sondes là-bas pour voir si Vénus pourrait avoir de la vie. On va aller maintenant à notre prochaine planète. Donc, cette planète-là, peut-être que tu la reconnais, hein? C'est une planète qui est très populaire, là. Ça fait vraiment, je pense, depuis que l'humanité est humanité, qu'on connaît ce petit point de lumière-là dans notre ciel, un petit point rouge là, que tu peux identifier parfois dans le ciel. Et puis qu'un peu plus tard, on a réalisé que c'était une planète de notre système solaire, la planète Mars. Et cette planète-là, ben, elle est assez proche de nous aussi, mais quand même assez loin, donc 230 millions de kilomètres. On parle présentement hein, d'envoyer des missions habitées sur Mars, mais ça prendrait des mois à s'y rendre. Puis il y a plein de détails là, qu'on n'a pas encore tout à fait réglés. Donc, la planète Mars, on l'évoque souvent comme étant un lieu peut-être habitable pour les humains, mais c'est quand même très loin d'être habitable pour les humains. Par contre, comme ma collègue Frédéric, qui est en régie, le dit souvent, c'est la seule planète qu'on connaît qui est habitée uniquement par des robots. Donc, avec le temps, on a envoyé plusieurs robots et là, tu vois une image qui a été prise par un de ces robots-là, un astromobile, donc un robot qui roule, une petite voiture là, sur Mars. C'est l'astromobile Curiosity, je crois, qui a pris cette photo-là. Et puis, on voit dans le fond ces traces là, à la surface de Mars là, qui est comme rougeâtre un peu, hein? Donc la couleur de la planète, là, rouge, orange, rouille en fait, parce que c'est de la rouille, de l'oxyde de fer qui constitue là, la partie, le sol, entre guillemets, de la planète Mars. On parle souvent d'aller là, mais il y a plusieurs choses qui en font une planète très inhospitalière. Donc d'abord, la température moyenne, c'est environ moins 60 degrés Celsius. Vous avez peut-être eu froid là, certaines fois cet hiver, là, quand il faisait des moins 20, des moins 25, des moins 30 peut-être même. Là, on parle de moins 60 en moyenne. Mais en plus, vu qu'il n'y a pas une très grosse atmosphère, donc cette petite couche d'air hein, dont on parlait tout à l'heure pour la Terre, bien, il y a des grandes variations de température aussi. Donc, tu sais, il peut faire là, jusqu'à moins 30, mais aussi jusqu'à plus 35, mais ça, c'est vraiment pas la moyenne. Puis en plus de ça, il y a des tempêtes de sable globales. Puis ça, en fait, c'est même pas très bon pour nos robots. On a perdu plusieurs robots comme ça, là, engloutis sous le sable. Bien, c'est-à-dire au moins leurs panneaux solaires. On sait par contre que dans le passé, là, il y a peut-être 4 milliards d'années, donc au tout début de notre système solaire, la planète Mars ressemblait probablement un peu plus à la Terre. Donc, vous voyez ici un dessin là, qui a été fait à l'ordinateur de quoi Mars aurait pu avoir l'air au début. On pense qu'il y a eu de l'eau liquide sur la planète Mars. Et puis, justement, pour mieux comprendre l'eau et aussi la vie, bien, on en voit plusieurs astromobiles, dont l'astromobile Perseverance, dont tu as peut-être entendu parler, hein, parce qu'il s'est posé il n'y a pas très longtemps. Là, c'était l'année dernière, en fait, qu'il s'est posé sur la planète Mars puis qu'il a commencé ses petites enquêtes. Donc, on a vraiment hâte d'avoir tous les résultats, mais déjà maintenant, on est très heureux là, de pouvoir compter sur ce robot. Donc, la prochaine planète qu'on va explorer, c'est Jupiter, mais en fait, on ne va pas se poser sur Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète dans notre système solaire. Ça se retrouve à 820 millions de kilomètres. Donc, là, on commence à être vraiment loin. Ça prendrait plusieurs années se rendre là-bas. C'est une grosse planète gazeuse. Donc, on pense qu'il y a peut-être un petit corps rocheux au centre, mais ça serait très difficile de se poser. Mais Jupiter a aussi des lunes qui sont très intéressantes. Plusieurs lunes, on parle de peut-être 60 ou 70 lunes, mais il y en a quatre principales, on les appelle les lunes galiléennes, on peut les voir ici, mais ma préférée de ces lunes-là, c'est la lune Europe, c'est une lune de glace.
Donc, on peut voir ici, elle a plein de petites rayures rouges à sa surface. En fait, on pense que Europe s'est recouverte de glace. Et puis, de temps en temps, juste comme sur la Terre, il y a des tremblements de terre et puis la croûte terrestre, ça se casse. On pense que la croûte de glace d'Europe se casse parfois et ça fait ces petites lignes-là, mais on pense qu'il y a un océan liquide en dessous de cette couche de glace. Peut-être qu'on voudrait poser un robot là-bas et puis commencer à creuser un trou. Ça serait peut-être intéressant, mais ça serait quand même difficile de faire ça. Mais il y a une autre façon qu'on peut essayer d'enquêter l'océan liquide sous la surface d'Europe. Et ça, c'est parce qu'il y a des volcans sur la surface d'Europe. Mais pas des volcans de roche, des volcans de glace. Un peu comme des geysers qu'on a sur la Terre ici. On les appelle aussi des cryovolcans. Et il y a plusieurs lunes de glace autour de Jupiter et aussi de la planète Saturne qui ont ces cryovolcans-là. Et un petit robot qui vole, un orbiteur ou un satellite, peut passer à travers les éruptions d'eau de ces cryovolcans pour essayer un peu de goûter l'océan liquide en dessous, pour essayer justement de trouver s'il y a peut-être de la vie dans ces eaux-là. Là, on parle de vie microbienne, hein, Nathalie? Là, encore une fois, là, on ne parle pas de vie extraterrestre avec comme le petit dessin sur notre présentation. Donc, on passe à une planète, une autre géante gazeuse, donc la deuxième géante gazeuse de notre système solaire. Tu la reconnais sans doute, hein, c'est Saturne. On la reconnaît à ses anneaux. On me demande souvent, hein, les anneaux, on peut-tu se poser dessus? C'est fait en quoi? On ne peut pas se poser dessus. C'est de la poussière et des glaces. Donc, c'est tout, c'est pas quelque chose de continue. Et puis, on ne sait pas encore exactement comment ça s'est formé, ça. Saturne, en plus de ses anneaux majestueux, elle possède, elle aussi, beaucoup de lunes. Hein. On utilise aussi le nom satellite naturel. Et la plus grosse, elle s'appelle Titan. Et Titan, c'est une très, très grosse lune, beaucoup plus grosse que notre lune, un peu comme les grosses lunes galiléennes que Nathalie parlait. Elle est plus grosse même que la planète Mercure. Et celle-là, elle nous intéresse particulièrement, pas parce qu'elle est couverte de glace, mais plutôt parce qu'elle a une atmosphère qui est assez considérable. En fait, sur Titan, il y a quelque chose qui est de très similaire au cycle de l'eau que tu as peut-être étudié. Donc, sur Terre, hein, on sait que l'eau s'évapore, ça forme des nuages, ensuite il pleut. Mais c'est de l'eau, tout ça. Sur Titan, c'est plutôt du méthane et de l'éthane qui sont des combustibles. Là. Donc, on ne parle pas quand même de lieu habitable pour nous, mais on pense quand même qu'il y a des potentiels, qu'il y a des formes de vie adaptées à cet environnement-là. On ne le sait pas encore, mais on y envoie une mission bientôt là, à suivre. On a même déjà envoyé un robot atterrir sur la surface de Titan, hein, Marie-Ève? Oui, tout à fait. Puis, c'est ce qui est... Bon, ce robot-là, c'était un atterrisseur, mais le prochain, là, c'est comme un petit aéronef. Donc, il va être capable de voler. On l'a appelé Dragonfly, parce que comme une libellule. Donc, moi, j'ai hâte de voir le prochain, mais c'est vrai qu'on en a déjà envoyé un qui nous a permis de mieux connaître là, la lune Titan de Saturne. Oui, c'est vraiment excitant. Donc ça, c'était un petit tour de voyage dans notre propre système solaire. On a seulement visité quelques mondes. Si ça t'intéresse, on t'encourage de visiter plein d'autres mondes. Il y a plein de planètes et de satellites naturels ou de lunes, comme Marie-Ève a dit, qu'on peut explorer dans notre système solaire. Et on va le faire avec des vrais robots, des vrais sondes dans les prochaines quelques années, prochaines décennies. Mais notre système solaire, c'est un système avec une étoile au centre et puis des planètes autour. Mais on sait qu'il y a plein d'autres étoiles partout dans notre ciel étoilé. On peut les voir pendant la nuit. Donc, pendant très longtemps, les scientifiques, les philosophes ont regardé ces étoiles et se sont dit, si notre étoile, le Soleil, a des planètes, pourquoi est-ce que les autres étoiles ne pouvaient pas aussi avoir des planètes? Donc, ce concept d'autres mondes au-delà de notre système solaire date de plusieurs siècles. Mais c'est pas avant récemment que ce concept d'exoplanètes, et c'est ça qu'on va parler maintenant, les exoplanètes qui sont des planètes au-delà de notre système solaire, qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil. On connaît ce concept-là depuis longtemps, mais ça fait très récemment qu'on peut les détecter, en fait.
Oui, tout à fait. Puis en fait, moi, j'aime bien parler de la première découverte d'une exoplanète autour d'une étoile similaire à la nôtre. Ça a eu lieu en 1995. Moi, j'ai 38 ans, donc c'était quand j'avais à peu près votre âge. Donc, quand j'étais en secondaire 1, on a fait cette découverte-là dans la constellation de Pégase, donc dans la direction de la constellation de Pégase. Il y a une petite étoile qu'on ne voit pas, hein. C'est pas dans les étoiles les plus brillantes là, qui constituent le dessin là, de la constellation de Pégase, mais on la voit ici. Elle s'appelle 51 Pégase et on est capable de l'observer avec nos télescopes. Et c'est autour de cette étoile-là qu'on a détecté la toute première exoplanète, donc, et on l'a appelée 51 Pégase B. Donc, c'est comme ça qu'on nomme les exoplanètes, hein, en petite parenthèse, là. Donc, on prend le nom de l'étoile qui a souvent rapport, là, avec la constellation où l'étoile se trouve ou le catalogue duquel elle fait partie. Et on ajoute une petite lettre minuscule pour dire que c'est la première ou la plus proche qu'on a trouvée autour. Et cette planète-là est très spéciale. Elle est immense et comme tu le vois sur ce dessin-là, parce que ce n'est pas une photo, hein, on n'est pas capable de prendre des photos, elle est très proche de son étoile. Donc, c'est pour ça là, que la surface de l'étoile a l'air très, très, très grosse. Là, c'est parce que les deux sont très, très proches l'une de l'autre, beaucoup plus proches en fait que Mercure ne l'est du Soleil dans notre système solaire. Et en fait, ce type de planète-là, on appelle ça une Jupiter chaude, puis on n'a même pas ce type de planète-là dans notre système solaire. Non. Donc, depuis cette découverte-là, en 1995, on a découvert plus de 5000 exoplanètes, mais on pense que c'est quand même juste la pointe de l'iceberg. On pense que dans seulement notre galaxie, la Voie lactée, il y en aurait des centaines de milliards. Et il y en a plein de sortes d'exoplanètes, une grande variété. Certaines qui ressemblent aux planètes dans notre système solaire, mais certaines, comme 51 Pégase B, qui ressemblent vraiment pas aux planètes dans notre système solaire. Mais une des types de planètes qu'on cherche beaucoup, c'est des planètes comme notre Terre. Et lorsqu'on cherche ces planètes-là, on cherche des planètes rocheuses qui pourraient avoir de l'eau liquide. Mais comment on fait pour trouver de l'eau liquide? La première chose qu'on veut faire, c'est s'assurer que la température de la planète, c'est la bonne température pour pouvoir avoir de l'eau dans l'état liquide. Et ça, cette région-là autour d'une étoile, on appelle ça la zone habitable ou la zone boucle d'or, si vous connaissez le conte. Donc, si on est trop proche de son étoile, il fait trop chaud et là, toute l'eau est en vapeur. Si on est trop loin, là, il fait trop froid et puis là, l'eau est toute en glace. Mais si on est juste à la bonne distance, on est dans la zone boucle d'or et là, l'eau peut être liquide. Et on sait que l'eau liquide, c'est très important pour le développement de la vie. Toute la vie sur la Terre semble dépendre sur l'eau liquide pour pouvoir fonctionner. Et la zone habitable, ça change dépendamment de l'étoile au centre. Donc, si on a une grosse étoile, la zone habitable va être plus loin parce que l'étoile fait beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais si c'est une petite étoile plus froide, la zone habitable peut être plus proche. Donc, il faut regarder pour ces planètes dans la zone habitable de leur étoile et essayer de trouver des planètes rocheuses. Mais ce n'est pas les seules planètes qui nous intéressent. On veut vraiment s'intéresser à tous les types de planètes puis on va en explorer quelques-unes ensemble. Tout à fait. Puis en fait, mais c'est sûr que celles-là, hein, les planètes rocheuses, un peu comme la Terre, qui se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, c'est un peu nos préférées. Et puis, on en trouve beaucoup autour des petites étoiles rouges là, que Nathalie vient juste de présenter. Et en fait, on en trouve autour de la plus proche étoile rouge de notre système solaire. C'est la plus proche étoile tout court. Elle se trouve à 4,2 années-lumière. Ça veut dire que si on envoie un petit signal à la vitesse de la lumière, là, « Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? » Ça prend un peu plus que 4 ans pour se rendre. Et ça prendrait aussi un peu plus que 4 ans pour revenir. Elle se trouve dans la direction là, de la constellation du Centaure. Et cette planète qu'on a découverte autour de cette petite étoile, on l'a appelée Proxima du Centaure B. C'est donc l'exoplanète la plus proche. Hein? Donc, exo, là, planète, c'est pour dire une planète à l'extérieur de notre système solaire. Donc, ce n'est pas la planète la plus proche de la Terre, mais c'est l'exoplanète la plus proche. Et elle est probable, sans doute un peu plus massive que la Terre et elle est plus proche de son étoile. Mais comme Nathalie disait, ben ça c'est une bonne nouvelle parce que son étoile, elle chauffe moins. Donc c'est un peu comme un feu de camp. Hein. Si on fait un gros feu de camp, on va se mettre un peu plus loin pour être confortable. Mais si on a un tout petit feu de camp, on va se rapprocher. Donc la température est quand même un petit peu plus froide en moyenne que sur Terre, sur cette planète-là. Le dessin qui est là, ben c'est ça, c'est un dessin. Hein. Nous, ce qu'on sait, c'est ce que je viens de vous dire. Après, eux, ils ont mis quelque chose qui ressemble peut-être à de la glace. Hein. On voit une réflexion là, ou peut-être une étendue d'eau, un océan. Ça, c'est imaginaire. On ne le sait pas encore.
on n'a pas encore la résolution, on n'a pas les informations pour être capable de déduire ça. On s'amuse quand même à imaginer de quoi ça pourrait avoir l'air sur ces planètes-là. Donc, voici une fausse carte postale, salutations de Proxima Centauri. Juste à côté, ben, faut le dire vite, hein, parce que c'est quand même à la vitesse des plus rapides sondes qu'on a jamais créées. Ça prendrait des dizaines de milliers d'années, environ 80 000 ans pour se rendre. Puis ça, je parle pas d'humain, là, je parle d'un robot. Le paysage est donc imaginaire, on le sait pas, on l'a imaginé un peu comme sur Terre, mais le ciel, par contre, est réel. Et là, au loin, on voit l'étoile Proxima du Centaure, mais je crois, Nathalie, qu'il y a peut-être une petite flèche hein, pour pointer deux autres étoiles qu'on voit dans le ciel de cette planète-là, parce que ça adonne que cette planète-là, dans le fond, il y a deux autres étoiles qui sont vraiment proches. Ça fait partie d'un système triple. Donc, il y aurait quand même quelque chose de différent dans le ciel si on était sur cette planète-là. Puis ça, on le sait, on est certain. Absolument. Et puis, il y a beaucoup d'autres systèmes comme ça qui ont plus qu'une étoile. Donc, la prochaine qu'on va visiter, la planète, elle aussi, c'est dans un système avec plus qu'une étoile au centre. Donc, la prochaine planète qu'on va visiter, c'est dans la constellation du Scorpion. Et si on allait à la vitesse de la lumière, encore une fois, et on n'a vraiment pas la technologie, malheureusement, pour aller aussi vite que ça, ça prendrait quand même 22 ans. Donc, on parle ici de quand même environ 5 fois plus loin que la planète la plus proche, l'exoplanète la plus proche Proxima du Centaure B. Donc, on va visiter la planète Gliese 667 CC. Donc, la raison pourquoi le nom est encore plus compliqué que d'habitude, c'est parce que c'est un système triple, en fait. Donc, il y a 3 étoiles qui s'y retrouvent. Gliese 667 A majuscule, B minuscule, A majuscule, B majuscule et C majuscule. Donc, celle qui a une planète autour, c'est la C majuscule qui se retrouve, c'est tout dans la constellation du Scorpion. Et on pense qu'il y a peut-être plusieurs planètes qui s'y retrouvent. Donc, la planète, elle, c'est Gliese 667 C majuscule C minuscule. Donc, c'est quand même beaucoup comme nom. Et ça, c'est une planète qu'on a découvert, ça fait plusieurs années déjà, et c'était la première exoplanète qu'on a découvert qui était confirmée à être dans la zone habitable de son étoile. Et ça, c'est l'étoile principale autour de laquelle elle tourne, pas les deux autres. Mais c'est quand même assez compliqué. Mais on pense en fait que au moins la moitié de toutes les étoiles se retrouverait au moins dans un système binaire, ce qui veut dire avec 2 étoiles, ou avec un système triple et encore plus d'étoiles que ça. Donc, le Soleil est quand même assez spécial dans le sens qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont avec des étoiles amies. Et ça, c'est un bon exemple. Et on peut quand même avoir des exoplanètes dans ces systèmes-là. Donc, la planète elle-même, on pense qu'elle est quand même plus grosse que la Terre. Et puis, son année, elle dure 28 jours. Donc, elle est plus proche de son étoile. La température, par contre, est assez similaire, 4 degrés Celsius. Donc, moi, à date, dans les lieux qu'on a visités, c'est une des places que j'aimerais peut-être m'y rendre. Et, encore une fois, ça, c'est des représentations artistiques. On ne sait pas exactement de quoi ça a l'air, mais on peut se douter que les paysages peuvent être quand même beaux avec les étoiles multiples du système qu'on peut voir dans le ciel. Donc, on aurait peut-être des triples couchers de soleil dans le ciel de Gliese 667 CC. Mais ça serait pas impossible hein, à cette masse-là que ça soit plus quelque chose qui ressemble à Neptune dans notre système solaire, je crois. Hein, parce que dans le fond, on le sait pas. Donc là, on s'amuse à l'imaginer comme si c'était une super Terre. Mais en fait, c'est peut-être une mini-Neptune. Puis à ce moment-là, ça serait peut-être un peu moins agréable d'y aller. Par contre, en effet. Le système qu'on présente maintenant, Trappiste 1, ça, on le sait que les planètes qu'il y a autour de cette étoile-là, ils sont vraiment similaires à la Terre en masse et en taille. Donc, ils sont probablement rocheuses. Puis ça, c'est une étoile qui est toute seule. Donc, un peu, on cherche un peu plus les planètes autour d'étoiles qui sont toutes seules. C'est plus difficile de les trouver quand ils sont dans des systèmes avec 2 étoiles ou avec encore plus d'étoiles. Donc, même si ça existe, puis il y en a beaucoup de ces systèmes-là, on regarde beaucoup autour des étoiles qui sont toutes seules, comme Trappiste 1, qui se trouve dans la direction de la constellation du Verseau à 39 années-lumière. Donc, ça reste assez proche, notre voisinage solaire, mais quand même très, très, très loin. Là, je ne sais même plus combien de temps ça prendrait là,
des générations et des générations à se rendre. Moi, je suis trop impatiente, je pourrais pas attendre. Non, ça c'est sûr. Et puis, autour de cette toute petite étoile-là, donc ça, c'est une étoile qui est à peine plus grosse que Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Mais c'est vraiment une étoile. Donc, il y a de la fusion nucléaire au centre de l'étoile qui fait qu'elle brille. Donc, c'est le mécanisme qui fait que ça brille. Et il y a 7 petites planètes qu'on connaît autour de cette étoile-là. Et elles sont toutes très rapprochées. Hein? Donc, c'est une étoile qui ne brille pas beaucoup. Elles sont toutes rapprochées là, avec des périodes, là, je pense qu'on va le voir sur la prochaine diapositive, là, des périodes de quelques jours, entre 6 et 12 jours. Et si on revient brièvement, juste pour voir où est la zone habitable, mais on voit qu'il y a 3 planètes qui sont sans doute dans la zone habitable. Puis j'avais lu quelque part que selon les atmosphères, il y aurait moyen d'avoir quelque chose comme une température pas trop pire sur presque toutes les planètes de ce système-là. Si, par exemple, on ajoute beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre sur les planètes qui sont plus loin ou qu'on traficote ça, je ne sais pas trop comment, je ne suis pas une spécialiste, mais dans le sens qu'on peut imaginer que ces planètes-là auraient une température assez, assez tempérée. Donc là, voilà les 3 qui sont à une distance là, à peu près comme la Terre. Et voilà, ça, on les a imaginés, évidemment, hein, avec beaucoup de similitudes avec la Terre, mais c'est peut-être pas du tout ça. Ça n'a peut-être rien à voir. Là, ça, il va falloir attendre plus de recherches pour le savoir. Mais encore une fois, on s'est amusé à imaginer. Ici, là, on a un paysage un peu glacé, là, parce qu'il fait un petit peu plus froid sur cette planète-là, la F. Quelque chose de très intéressant, c'est que vous voyez la grosseur de l'étoile dans le ciel. Hein? Je vous ai dit, c'est une petite étoile, mais on est très proche. Là. Donc, ça serait vraiment très gros. Et tu vois d'autres choses? Ce n'est pas des satellites naturels. On n'est pas vraiment capable encore là, de détecter des exolunes. C'est plutôt les autres planètes du système qui sont tellement rapprochées qu'au lieu d'être un petit point de lumière, comme dans notre ciel, ce serait des disques aussi gros que la Lune dans notre ciel. Donc, vous voyez comment ça serait magnifique, le ciel. Et puis ça, on sait que ça serait comme ça. On peut même voir, on voit les phases des planètes, un peu comme on voit les phases de la planète Vénus, mais on les voit encore plus gros. Donc, c'est comme les croissants de Lune, mais c'est des croissants de planètes à la place sur Trappist. On pourrait le voir à l'œil nu, surtout, parce que Vénus, moi, je ne les vois pas à l'œil, là, personnellement. Peut-être les très, très jeunes avec des très bons yeux sont capables, mais moi non plus, je ne suis pas capable. Donc, la dernière exoplanète qu'on va visiter, c'est une planète dans la constellation du Cancer. Elle se retrouve à une distance assez similaire du système Trappiste 1. Si on allait à la vitesse de la lumière, ça prendrait 40 ans, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont très proches l'une de l'autre, parce qu'il y en a une qui est dans une direction, puis l'autre est dans l'autre direction complètement. Donc, elles sont quand même assez loin l'une de l'autre, mais ça la donne que nous, on est un peu comme entre les deux systèmes. Donc, c'est l'étoile 55 Cancri, et la planète, c'est 55 Cancri E. Donc, par le nom, vous vous doutez peut-être qu'il y a d'autres planètes qui se retrouvent dans ce système-là, mais 55 Cancri E, c'est une préférée, pas parce qu'on peut la visiter ou y vivre, mais parce que c'est une planète très extrême. C'est une planète de lave au cœur de diamant. Donc, l'étoile 55 Cancri, c'est une étoile qui est très semblable au Soleil. À date, on a vu des étoiles qui ne ressemblaient pas beaucoup au Soleil. Soit il y avait d'autres étoiles avec elles dans le système ou c'était des plus petites étoiles comme avec Trappiste 1. Mais 55 Cancri, c'est une étoile qu'on appelle une naine jaune qui ressemble beaucoup au Soleil. 55 Cancri E ne ressemble pas du tout à la Terre. C'est une grosse planète, 8 fois plus grosse que la Terre. On appelle ça une super Terre. Et elle est 70 fois plus proche de son étoile que la Terre. Donc, on sait, pour la Terre, ça prend un an pour faire le tour, une année, 365 jours. Pour 55 Cancri E, ça prend 18 heures. Elle est très proche, tellement proche en fait, qu'il fait 2500 degrés Celsius sur sa surface. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une planète de lave. Il y a des océans, mais des océans de roches fondues. Et il y a des nuages, mais des nuages de roches vaporisées. Et il pleut même des pluies de roches. Et c'est tellement un monde extrême, son cœur est comprimé qu'on pense que c'est peut-être un cœur de diamant causé par la chaleur et la pression de ce monde-là. Donc, c'est un monde super intéressant, mais peut-être un monde un peu trop hot pour les humains. Moi, je pense pas que je voudrais vivre là, mais ça serait quand même intéressant avec le bon équipement de peut-être visiter ce monde-là. Mais certainement, l'environnement est pas idéal pour les humains.
Mais il y aurait quand même quelque chose de cool, Nathalie, sur cette planète-là, c'est que ton anniversaire reviendrait toutes les 18 heures. Incroyable! Je ne sais pas si on aurait des cadeaux à toutes les 18 heures. On mangerait seulement du gâteau d'anniversaire. C'est ta fête! Ouais. Donc, ça, c'était plein de monde extraterrestre à visiter. Donc, à chaque fois que tu regardes le ciel étoilé dehors, pense que toutes les étoiles que tu vois, il y a des grandes chances que ces étoiles-là ont des propres planètes qui tournent autour des étoiles. Et on développe de plus en plus d'outils, justement, pour détecter et étudier ces mondes-là. Mais on va revenir à la Terre une dernière fois. Oui, on revient à la Terre, hein, c'est important, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais de la façon dont on détecte ces planètes-là, puis je vous invite avec votre classe à aller voir les capsules exo-bouchées, parce qu'on l'explique un petit peu plus dans les capsules exo-bouchées, comment on fait pour découvrir les exoplanètes, et ça va vous permettre de mieux comprendre aussi pourquoi, moi, ma planète préférée, ça reste la Terre. Donc, on vous a présenté plein de planètes. Elles sont belles, on se les imagine très belles, mais en fait, on sait très peu de choses sur ces planètes-là. On sait parfois la taille, on sait parfois la masse, très rarement les deux en même temps, ce qui nous donne une idée de la composition, hein. Est-ce que c'est une grosse boule de roche ou une boule de gaz? Parfois, on ne le sait même pas. Mais là, on n'est pas en train de parler de l'atmosphère. On a parlé au début de la planète Vénus. Elle ressemble beaucoup à la Terre. Elle se trouve dans la zone habitable du Soleil. Et pourtant, c'est un des derniers endroits où je voudrais prendre mes vacances. C'est extrêmement inhospitalier, là. Peut-être certaines formes de vie extrêmement simples pourraient survivre dans ces environnements-là, mais on ne parle pas de fourmis ou d'éléphants, là. Tu sais, on parle de formes de vie extrêmement simples et on n'est même pas certain encore que ça se puisse. Donc, moi, personnellement, je suis contente que dans le cadre de ce thème-là, le thème sur l'environnement, on ait pu vous présenter certains mondes qui existent dans notre système solaire et au-delà. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne quand même, c'est que la seule planète habitable qu'on connaît, là, de près ou de loin, c'est vraiment notre planète, la Terre. Donc, moi, personnellement, ça me donne vraiment envie d'en prendre soin. Ça me rend un peu humble par rapport à la chance qu'on a d'être ici. C'est vraiment une planète incroyable. Moi, personnellement, quand je me promène, là, puis je vois les campagnes, la nature, j'y pense beaucoup à ces autres mondes-là qui sont très, 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 très loin et qui sont peut-être là, plein de versions de l'enfer, des mondes de lave ou des mondes toxiques comme Vénus. On ne sait pas. Peut-être qu'il y en a d'autres planètes habitables, mais... Mm-hmm. C'est loin d'être sûr. C'est ça, c'est un bon message, puis c'est ça qu'on veut que vous retenez. On a des beaux mondes à découvrir, mais on n'a pas de planète B, on a vraiment seulement la Terre pour nous. Donc, si vous voulez continuer l'activité dans votre classe, on vous invite à télécharger deux activités. On a notre site web ici en bas. Il y a deux activités. Une, c'est une activité de coloriage et l'autre, c'est une activité où vous pouvez imaginer votre propre exoplanète, la décrire ou la dessiner. Donc, c'est des documents que vous pouvez imprimer. C'est des PDF à télécharger et imprimer dans votre classe. Donc, voici toutes nos informations si vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre site web, ou nous envoyer un courriel. Mais maintenant, on va passer à vos questions. Et on en a reçu quelques-unes lors de l'inscription pour l'événement. Et puis, on va commencer avec la toute première, qui est une question qu'on reçoit beaucoup lorsqu'on parle de monde extraterrestre. La question vient de la classe de 5e année de Madame Fini de l'École des 5 continents. Et c'est... Pourquoi est-ce que Pluton, c'est seulement une planète naine? Et moi, j'aime beaucoup cette question parce que souvent, le monde a l'impression que les astronomes n'aiment plus Pluton. On a tourné notre dos à Pluton, mais c'est vraiment pas le cas, en fait. Pluton, on a décidé de la qualifier d'une planète naine parce que en la découvrant plus et en découvrant aussi d'autres corps dans notre système solaire, on a réalisé que planète correspondait pas vraiment à la définition de planète. On a découvert d'autres planètes ou planètes naines qui ressemblaient à Pluton, avaient des orbites similaires, avaient même des tailles similaires à Pluton. Et il fallait soit qu'on inclue toutes ces nouvelles planètes-là comme des planètes ou qu'on invente une nouvelle catégorie d'objets, planètes naines. Et ce n'est pas la première fois qu'on a fait ça, en fait. Au début des années 1800, on a commencé à trouver les premiers astéroïdes. Mais le tout premier astéroïde qu'on a découvert, Cérès,
on a dit, OK, ça va être une planète. Mais là, on a commencé à découvrir plein d'astéroïdes. Puis là, on s'est dit, on ne va pas toutes les inclure comme astéroïdes quand même. Comme planète, pardon. Donc, on a inventé la catégorie astéroïdes et puis on a mis Cérès dans cette catégorie-là. Donc, c'est ça la science. On découvre plus de choses et on décide de changer un peu les définitions. Et c'est ça la découverte. Donc, on continue d'explorer, mais on adore Pluton. On a envoyé une sonde visiter Pluton puis on va continuer à l'explorer certainement. Donc, la prochaine question qu'on a reçue pendant l'inscription, ça vient de la classe de sixième année de Madame Duchâteau de l'école Alphonse Pesant. Et c'est, est-il vrai que nous avons trouvé des traces de vie sur Mars? Donc, j'ai posé la question à toi, Maria, parce que c'est toi notre experte sur Mars aujourd'hui. Oui, et puis c'est vrai hein, qu'on entend souvent plein de choses sur la planète Mars. Il y a tout le temps des nouvelles qui nous arrivent de Mars, là, grâce entre autres à nos robots explorateurs. Et malgré tout, on n'a toujours pas de preuves de vie qui nous permettraient, là, sans aucun doute, de dire oui, il y a de la vie sur Mars. Donc, dans les années 60-70, on avait envoyé des missions spécifiquement pour déterminer s'il y avait de la vie. Les résultats des expériences que ces petits robots-là ont conduites, là, ben, c'était pas... En science, on dit que c'était pas conclusif. Là. Dans le fond, on n'était pas capable de tirer une conclusion fiable là, grâce à ces expériences-là. Et puis après, ben, on a décidé de se concentrer un peu plus pour... Ben, on revient du début. Là. Est-ce que c'est une planète habitable? Aujourd'hui, là, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça. Là. Il y a plusieurs éléments qui en font une planète un peu difficile pour la vie. Entre autres, là, le rayonnement qui entre, le rayonnement du soleil... Et les UV, entre autres, là, dont on parle ici beaucoup, là, quand il fait 35, là, on doit protéger notre peau. Mais là, sur Mars, il n'y a pas une grosse atmosphère pour protéger la vie. Donc ça serait quand même un enjeu. Mais il y a plein d'enjeux. Puis on s'est demandé, est-ce qu'elle a déjà été habitable? Donc là, présentement, Persévérance, entre autres, qui est là, c'est vraiment ça son objectif. Est-ce qu'elle a déjà été habitable? Et puis, éventuellement, bien, peut-être qu'on reviendra à des expériences un peu plus spécifiques là, sur est-ce qu'il y en a de la vie, je ne sais pas moi, cachée en dessous de la Terre? Il resterait peut-être des formes de vie très, très résilientes, là, donc qui sont capables de supporter les conditions difficiles de Mars. Mais on ne le sait pas encore. Donc, ça serait une réponse que j'aimerais bien avoir. Puis, une des choses qui est vraiment excitante, en fait, c'est Persévérance, en ce moment, est en train de collectionner des échantillons du sol martien. C'est pas lui qui va le rapporter sur la Terre. On va devoir envoyer d'autres robots là-bas aller chercher des échantillons. Mais si les scientifiques peuvent vraiment examiner le sol martien en laboratoire, on va peut-être avoir plus de réponses pour voir s'il y avait de la vie avant sur Mars ou s'il y a les bonnes conditions pour développer de la vie maintenant. Et la dernière question qu'on a reçue dans l'inscription, il y a beaucoup de... J'espère que vous n'entendez pas tous les camions à l'extérieur de ma porte parce qu'il y a beaucoup de signes de vie à l'extérieur. C'est bon, parfait. Et la dernière question que j'ai, c'est de la classe de cinquième année de Madame Daoud, de Monsieur Daoud de l'école Marie-Rivier. Sommes-nous prêts à rencontrer des extraterrestres? Je vais te la poser en premier, Marie-Ève. Et ça, c'est une question qui est peut-être plus... qui n'est pas tout à fait dans le règne, disons, dans la capacité des scientifiques. Hein? Nous, on peut dire, ben on est prêt à avoir cette réponse-là. On la veut, cette réponse-là, nous, les scientifiques, ou l'aspect scientifique de tous les humains. On est curieux, on veut savoir. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on aimerait ça le savoir. Puis si on les rencontrait, ben on aurait enfin la réponse à la question « Est-ce qu'on est seul dans l'univers? » Par contre, là, au niveau de rencontrer, puis là, j'imagine qu'on ne parle pas nécessairement de colonies bactériennes sur Europe, dans les glaces, disons dans les océans souterrains d'Europe, mais peut-être plus d'une civilisation, donc quelqu'un avec qui on pourrait peut-être communiquer. Puis là, je dirais que la science-fiction est peut-être une meilleure source d'information là-dessus. Hein. Ça nous permet, moi j'aime beaucoup la science-fiction, ça nous permet d'étudier un peu comment les humains réagiraient selon ce qu'on sait des caractéristiques humaines. J'avais quelqu'un, moi, qui m'avait dit, « Ah, ben, vous savez, quand les Européens sont arrivés en Amérique, ça n'a pas été la rencontre. T'sais, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'enjeux. Ça a été très, très, très... on ne peut pas dire que ça a été positif sur toute la ligne. Donc, qu'est-ce que ce serait avec une autre civilisation? Là, on parle juste de la même espèce, là, les humains, qui se rencontrent après quelques siècles séparés. C'est pas évident qu'on ait prêt, mais définir prêt.
Oui, je dois dire que je suis probablement d'accord avec toi. On a peut-être la technologie pour essayer de sonder, pour voir si on trouve des extraterrestres, mais avoir l'intelligence et avoir la sagesse, c'est deux choses différentes. Et c'est des questions qu'on doit vraiment répondre, mais c'est pas seulement des questions pour la science, c'est les questions pour la société tout en entier. Et donc, le plus qu'on explore l'espace, qu'on envoie des satellites, on doit commencer à se poser des questions, comment gérer toutes ces choses-là dans l'espace? C'est pas seulement rencontrer des extraterrestres, mais aussi lorsqu'on envoie des satellites, qu'est-ce qu'on fait lorsque les satellites fonctionnent plus? Est-ce qu'on les détruit lorsqu'on essaie de les faire revenir sur Terre? C'est qui a le droit d'aller sur les planètes différentes? Parce qu'il faut protéger les planètes aussi. On veut pas les contaminer non plus avec nos bactéries. Donc, il y a plein d'enjeux intéressants. C'est des belles discussions à avoir justement en classe si ça vous intéresse pour voir. Parce que c'est vous autres, c'est les jeunes qui vont avoir ces décisions-là à prendre dans le futur. Comment est-ce qu'on va explorer l'espace, pas seulement technologiquement parlant, mais aussi éthiquement parlant, politiquement parlant, pour bien faire ça. Frédéric, est-ce que toi, tu avais une opinion? Mais en fait, moi, j'aurais envie de vous poser une question. Est-ce que je peux? Ben oui. Puis je veux la poser à vous deux, mais aussi aux jeunes dans les classes, là. Comme, est-ce que vous pensez qu'il y en a de la vie à l'extérieur de la planète Terre? Parce que là, on dit on la cherche. Bon, mais parce que des fois, on cherche des choses qu'on trouve pas, puis peut-être qu'il n'y en a juste pas. Est-ce que vous pensez que ça existe, la vie à l'extérieur de la planète Terre, de la vie extraterrestre? Une grande question, ça. Puis moi, personnellement, je me suis posé la question souvent. Je me suis beaucoup intéressée à qu'est-ce que les autres humains avant, hein, ont pensé sur cette question-là. Puis j'ai vu que ça fluctue beaucoup dans l'histoire de l'humanité, notre confiance en l'existence d'autres formes de vie ailleurs. Moi, personnellement, j'aime ça, adopter le point de vue du scientifique, c'est-à-dire que je ne connais pas la réponse. Donc, je n'ai pas tendance à donner mon opinion. Je me dis plutôt comme, ben, il pourrait y en avoir si on pense au fait que ben, les atomes qui entrent dans la constitution des molécules qui font la vie, ben, il y en a un peu partout, ça, on le sait. Si on pense au fait que ben maintenant on le sait qu'il existe d'autres planètes ailleurs, donc ça n'en fait des mondes là, tu sais, dans notre galaxie, Nathalie, il y a beaucoup d'étoiles, hein? Il y en a combien donc? Il y en a, on pense, environ 200 milliards. Et si on pense qu'en moyenne, chaque étoile a au moins une planète, c'est 200 milliards de planètes juste dans notre galaxie. C'est ça, 200 milliards là, c'est dur à imaginer ce chiffre-là là, mais c'est 200 avec 9 zéros. Moi, mon cerveau, il n'est pas capable d'imaginer ça, là, mais ça veut dire en gros, là, tu sais, c'est quasiment le nombre de grains de sable qu'il y a sur la planète Terre. Là. Ça, c'est tous des petits mondes qu'il faudrait explorer un par un. Puis on sait que ce n'est pas évident de trouver la réponse. On le voit avec Vénus ou avec Mars, c'est les planètes d'à côté, puis on n'a même pas encore de réponse définitive. Donc, moi, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire oui, mais je ne sais pas. À suivre. Toi, Nathalie? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a de la vie extraterrestre, mais je pense que la problématique, c'est une question de timing. Donc, on a regardé un peu les mondes extraterrestres, à quel point ils sont loin. Si on allait à la vitesse de la lumière, ça veut dire si on envoyait un appel téléphonique, un signal, ça prendrait des dizaines d'années pour s'y rendre. Puis, on a choisi quand même certaines des planètes qui sont le plus Les proches, les proches. plus proches de notre système solaire. Donc, il y en a plein qui sont encore plus loin. Et quand on pense à la vie intelligente qui sont capables de communiquer à longue distance sur la Terre, ça fait un peu plus que 100 ans qu'on peut communiquer à longue distance. Donc, ça veut dire que notre bulle où on a pu communiquer avec des messages seulement, c'est seulement 100 années-lumière environ. C'est quand même petit. On sait que la Voie lactée, c'est environ 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Donc, peut-être qu'il y a de la vie extraterrestre à l'autre bout de la galaxie, mais on n'est pas capable de communiquer avec eux parce que notre signal se rend tellement lentement que lorsque nous, on l'envoie, peut-être qu'eux existent, mais éventuellement, il va y avoir un désastre là-bas, ils vont s'éteindre. Ou sinon, nous, on va s'éteindre éventuellement et puis une autre vie extraterrestre va apparaître quelque part et puis on va avoir manqué notre chance de se rencontrer. L'univers, c'est gros. L'histoire de l'univers, c'est presque 14 milliards d'années. Donc, je pense vraiment qu'il y a de la vie extraterrestre quelque part là-dedans, mais c'est pas garanti qu'on va la rencontrer, malheureusement.
Effectivement. Il y a quand même quelques personnes qui nous disent oui là, dans le chat qui pensent que ça peut exister de la vie bon. À l'extérieur de la planète Terre. Oui, on dirait qu'on veut le croire, hein? On veut le croire. Puis, tu sais, quand tu disais tout à l'heure, là, 100 ans, tu sais, c'est parce que quand on s'envoyait des lettres avant, bien ça fait pas de trace. Là. Il n'y a personne sur aucune autre planète, on pourrait savoir qu'on s'est envoyé une lettre, là, que je sais pas moi, un explorateur a envoyé une lettre à telle autre personne. C'est juste depuis qu'on utilise les signaux électromagnétiques, comme par exemple la radio, qu'on est capable de... Dans le fond, qu'on laisse une trace dans l'univers. C'est pour ça, Nathalie, que tu évoques 100 ans. C'est parce que ça fait à peu près 100 ans qu'on utilise ces moyens de communication-là. Puis pourtant, nous, on se qualifie de très intelligents. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est moins vrai. Mais est-ce que les autres civilisations utilisent des moyens similaires? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils continuent à utiliser des moyens comme ça pendant de longues périodes qu'on serait capable de déchiffrer? Donc, il y a beaucoup de choses à évaluer hein, pour savoir là, est-ce qu'on va être capable d'en découvrir, même s'il y en a. Bonne question. Ouais. Mais on promet, on continue de chercher. On va continuer de chercher. On développe des meilleurs outils pour avoir des meilleures chances, justement, pour les chercher. Donc, on va finir ici avec cette belle discussion, cette belle conclusion-là, en espérant que ça a planté des graines de discussion dans vos classes à vous. On vous encourage de le faire. On a des ressources en ligne pour explorer plus. Vous pouvez imprimer les documents PDF que j'ai mentionnés. On l'a mis aussi dans le clavardage. Et merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui pour le 24 heures de science. Vous pouvez regarder encore une fois l'émission. Elle va demeurer sur notre chaîne YouTube pour être revisionnée. Et puis, restez à l'affût, on va faire d'autres événements comme ça, en personne ou aussi virtuel. On vous souhaite une super belle semaine. Au revoir tout le monde. Bye.